Hey, salut tout le monde, c'est Diax. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel. Je vais vous expliquer comment baisser les baisses de framerate dans vos jeux. Donc, quand vous passez, par exemple, vous êtes à 50 FPS, vous passez de 20, 15 d'un coup et hop, ça remonte. Voilà, c'est pour éviter d'avoir ces problèmes sur et ça optimise les FPS sur vos jeux tels que Valheim, Rocket League ou plein d'autres trucs. Et ça peut être super utile. Du coup, on va commencer. Alors, je ne suis pas tenu responsable de ce que vous faites sur votre PC, donc s'il y a un problème, c'est que vous avez mal fait la manip. Donc voilà, je vais vous expliquer, donc suivez bien le tutoriel. Du coup, vous devez ouvrir, pour commencer, le RegEdit. Donc voilà, il est là. Donc vous cliquez droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, bon, il y a le truc, la vérification que vous n'allez pas voir. Mais voilà, donc ça vous ouvre ceci. Donc vous allez dans HLocal Machine, vous allez dans Software. Ensuite, vous allez dans Microsoft. Voilà. Ensuite, Policy Manager. Policy Manager, voilà. Vous allez dans Default, qui est juste ici. Hein, il est là. Ensuite, vous cherchez... Voilà, vous cherchez Application Management, voilà c'est ça. Application Management, et là c'est Allogame DVR. Vous cliquez. Une fois ceci fait que vous êtes bien dans ici, vous cliquez sur Value. Voilà. Normalement, la valeur ici dans les données, elle sera sur 1. Là. Donc vous cliquez sur. Cliquez droit dessus, vous faites modifier. Et là, au lieu de mettre 1, vous mettez 0 et vous redémarrez votre ordinateur. Bon, je peux pas le faire vu que je l'ai déjà fait, redémarrer le PC, changer la valeur et tout, mais vous le faites. Et normalement, ça réglera les soucis de drop d'FPS et tout ça. Si jamais ça ne fonctionne toujours pas, il y a une autre méthode, mais que je pourrais vous montrer, vous expliquer sur Discord, enfin, vu qu'elle est un peu plus compliquée, ça touche aux permissions de Windows et tout ça, donc c'est un peu plus galère. Ça se passe toujours sur le RegEdit, mais voilà, donc si vous voulez faire cette méthode, je vous invite à rejoindre le Discord et aller dans des vocaux et je vous aiderai en vocal pour les faire, pour les réaliser, pour la réaliser. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à lâcher un commentaire et un petit pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye, ciao!